بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes les meilleurs par votre islam. Vous êtes les meilleurs, si et seulement si vous essayez de le vivre comme il vous a été demandé. Comment trouver la notice? Comment trouver cette demande? Ouvre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ouvre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, médite sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, médite sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et apprends ce que j'appelle les sciences sincères, les sciences que tu vis, les sciences qui te transforment en nafs mutma'inna, en une âme apaisée. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, quelle belle invocation, quel beau pacte. Quant à mes frères en humanité, en citoyenneté, en universalité, en toutes les excellentes valeurs de l'être humain qu'Allah a gravées dans son ADN et qu'Allah a gravées dans son âme. Ceux-là n'ont pas encore voulu, n'ont pas encore pu, et ont les ennemis de l'islam et les musulmans eux-mêmes, quelques-uns parmi eux, ont fait le nécessaire pour éloigner mes frères en humanité de l'islam. L'islam est devenu détestable, haïssable, mauvais, laid. Cela, je leur dis, je vous aime. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Nous sommes dans le même bateau. Et nous devons faire en sorte qu'il ne coule pas. D'accord? Avançons ensemble dans le respect, le vivre ensemble, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la souplesse intellectuelle. Un frère me dit, qu'Allah le bénisse, salam mon frère, salam alaikum, tu es flemmard, salam alaikum, tout court, sinon salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salam, salam mon frère, attention. Peux-tu nous parler des salafis qui nous parlent de minhaj? Peux-tu nous parler des salafis qui nous parlent de minhaj? Il faut que je sois généraliste, parce que je ne connais pas et je ne sais pas encore quelle est ton approche de ce que tu appelles les salafis, et quel est le degré de leur présence dans ta vie. Donc, tu me demandes de parler des salafis et du fameux minhaj. J'ai déjà traité cette problématique dans des rappels anciens. Faut faire des mises à jour alors. Avant de me poser des questions, avant de me demander une intervention, avant de me demander d'échanger avec vous, tapez-le, la chose que vous cherchez, sur ma chaîne, la chaîne L'Oasis de l'Excellence. Souvent, j'ai traité ces sujets. Mais ça ne me dérange pas de revenir à la charge. Parce que, alhamdoulilah, ça permet à la langue, ça permet avec l'endurance et avec sabr, de sauver des musulmans d'eux-mêmes et de sauver des non-musulmans des ravages des musulmans. Les salafis, on va les décrire toi et moi, et tu vas voir que tu les connais de ce qu'ils font, de leurs agissements. Ils se ressemblent tous. Tu pars en Sibérie, tu trouveras les mêmes.
Tu pars en Australie, tu trouveras les mêmes. Ils sont partout, malheureusement. Et ils insultent le mot salafia. D'abord, j'ai jamais voulu faire un rappel en parlant de la salafia elle-même, parce que je respecte l'origine du mot. Je respecte le concept. Mais le concept a été perverti. Le mot a été perverti. Le vécu derrière a été perverti. Aujourd'hui, c'est un bras de shaitan, ou c'est deux bras de shaitan, malheureusement, ou c'est plusieurs bras infinis de shaitan qui sapent l'islam chez les musulmans, et qui sapent les musulmans, et qui sapent les non-musulmans, on les éloigne de l'islam. Donc, les salafis que tu vois aujourd'hui, ils ont une apparence. Une apparence. Cette apparence est sacrée chez eux, est prioritaire chez eux, est vraiment le summum de la compréhension de l'islam. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est souvent que ça. Donc une apparence. Une barre très longue. Une barre énorme. Comme ça, énorme. Si on veut les classer au niveau militaire, on peut dire le général Salafi, à cause et grâce à sa barre. Le maréchal Salafi. Colonel aussi, ils aiment ça. Grosse barre, énorme. Plus elle est grosse, plus ils se sentent bien Salafi, bien installés, bien enracinés. Ils se sentent sur la voie des Salafis, des prédécesseurs. Première chose. Deuxième chose. Là, l'apparence au niveau du vêtement, de l'habit. L'homme, thawb qasir, un tissu, une foqiya, une djellaba, un qamis, souvent, un qamis. Et qui, bon, tu les vois, tu repères leur genou, machin. Tu vois que le vêtement est au-dessus, loin de le cap, loin de la cheville. Voilà. Il y a déjà quelques-uns qui sont en train de me sortir de l'islam. Tu insultes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont aussi caractérisés par un côté obtus, têtu, plein d'entêtement. Et l'horizon du cerveau est très limité. Ils ne réfléchissent pas. En général, sans vouloir généraliser. Tu as trouvé des gens gentils, bien. On parle pas de ceux-là. Attention. Quand je parle de ceux qui font le mal, qui te parlent de minhaj à longueur de journée, qui insultent à longueur de journée, qui attaquent à longueur de journée. Je parle de ceux-là. D'accord? Je ne parle pas de l'exception. Il y a des gens qui se disent dans leur cœur, je suis salafi, avant même de dire je suis musulman. Ils sont gentils, respectables, respectueux. Ils essayent de suivre ce que Allah leur demande et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur demande. Il n'y a aucun problème. C'est pas cela. J'adresse pas mon rappel à cela. J'adresse mon rappel à ceux que toi tu veux. Et ceux qui dérangent les familles, ceux qui ont posé beaucoup de problèmes dans les familles, et ceux qui ont dérangé tout le monde, et ceux qui ont posé beaucoup de problèmes. Donc, première chose, une apparence sacrée, qui passe avant toute chose. Deuxième chose, un mot, le tawhid, avec ha, tawhid, dans leur discussion, dans leurs paroles, dans ce qu'ils racontent, tu entends le mot tawhid plus que tous les autres mots. Ils peuvent conjuguer avec tawhid. Je tawhid, le tawhid, d'il y a longtemps quand le tawhid était beau, par exemple. J'aime le tawhid, je les ai beaucoup aimés, je les ai beaucoup aimés, qu'Allah nous guide avec ENT, tout ça. Tawhid est sacré, vraiment, c'est un mot. C'est le mot, attention, c'est pas ce qu'on peut mettre derrière. Toute la journée, tawhid. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, le mot akida. Akida. Il a akida, moi, ma akida est bonne. Moi, je suis la akida du salaf. Tu sais, celui-là, il n'est pas sur la akida du salaf. Tu sais, lui, Ifkhwani, Hizbi.
Kotbi, toi, tu mets la kamija, chemise normale, tu n'es pas sur la bonne akida, tu n'es pas sur le tawhid, toi, tu t'habilles comme les koufars, tu ne suis pas la sunna. Donc voilà, premier mot, tawhid. Donc c'est que du blabla. Deuxième mot, akida, blablabla. Et troisième mot, sunna. La sunna, moi j'aime la sunna, moi je vis pour la sunna, moi je pratique la sunna, lui ne pratique pas la sunna, et encore lui ne pratique pas la sunna, et regarde lui ne pratique pas la sunna, et l'autre ne pratique pas la sunna. Tu vois, il est en costard cravate, pas pratiquer la sunna, il est en jean, il pratique pas la sunna, et il est habillé avec le hijab, il pratique pas la sunna. Sunna, il est belle, ainsi que le tawhid, et la akida pousse tout ça. D'accord. Quatrième fondement, quatrième pilier ou cinquième pilier, le mot innovation. Et lui, il est innovateur. Et moi, j'aime pas l'innovation. Et moi, je ne pratique pas l'innovation. Et qu'Allah me préserve de tomber dans les préservatifs, non, les pas préservés. Qu'Allah me préserve de tomber dans l'innovation. L'innovation est mauvaise. L'innovation est sale. L'innovation a détruit la Ummah, innovation et tout ça, innovation, 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 innovation. Tu lui dis Steve Jobs a innové, ah non, innovation. Les coffres ont innové, ils t'ont créé des choses que tu utilises quotidiennement, non, je ne veux pas ces choses, innovation. Mot innové, faut pas utiliser, pas utiliser. J'aime pas le mot, s'il vous plaît, au secours de ça. Fondement numéro 5 ou 6, pilier. Un autre pilier, un hadith. Les Banu Israël se sont divisés, les chrétiens se sont divisés, les musulmans se sont divisés. 73 groupes pour les musulmans. Ce hadith-là est sacré. Il est utilisé à longueur de journée. D'accord? C'est plus ou moins ça, le minhaj. Tu me poses la question sur le minhaj, c'est ça le minhaj. C'est ça le minhaj. Ils n'ont rien à voir avec le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis, Allah a dit. Allah a dit. Il te dit non. Il ne va pas te dire non comme ça directement, mais il va te le dire non autrement. Il va débiter des paroles. Allah a dit. Il va débiter des paroles. Copier-coller. Alors qu'ils ont quelques chouïours qui cite à longueur de journée, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, l'Albani, parfois il les dérange l'Albani, il le cite quand il veut, quand il les arrange, El Fawzan, Fawzan, ça c'est les contemporains, Al-Madkhali, Rabbi Ibn Hadi Al-Madkhali, Al-Wadi'i, le Yéménite, Al-Wadi'i, il cite cela souvent, tout le temps, tout le temps. Ce sont vraiment les prophètes, leurs prophètes. Ça, c'est dans les contemporains. Les anciens, ils vont te citer Ahmed ibn Hanbal et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc, ce blabla que je viens de te raconter, c'est ça le minhaj. Comment je peux vivre avec ça? Le minhaj! Comment je peux agir avec ça? Le minhaj! Comment je peux réagir avec ça? Le minhaj! Comment je peux me comporter avec ma mère? Le minhaj! Minhaj! Comment je réponds aux problématiques actuelles? Minhaj! Tawhid Akida! Innovation! Oui, mais développe. Minhaj Tawhid Akida Im Shar'i! Minhaj! C'est ça. Donc c'est bon. C'était ça, l'histoire. Je te résumais l'histoire. Tu le comprends intelligemment. Tu comprends ce que je viens de te dire intelligemment. Tu te débarrasses d'un cancer qui détruit l'islam dans le cœur et dans l'âme et qui détruit tout sur son passage et qui produit des parasites malades d'eux-mêmes, extraordinairement orgueilleux, d'accord, qui ne font que saper l'islam chez les musulmans et chez les non-musulmans. Donc c'est une secte nouvelle, malheureusement, de l'islam, ceux qui se prennent aujourd'hui comme salafis et qui, quand tu les vois, tu repères ce que je viens de dire avec humour, un humour noir, attention, plus noir que ma chemise. Si tu vois ce que je viens de te décrire,
Éloigne-toi comme tu t'éloignes de la peste. D'accord? Maintenant, tu veux qu'on continue à parler de la salafia. Vous voulez qu'on continue à parler de la salafia. Je prévois de faire, Inch'Allah, une série entière sur la salafia, ses origines, pourquoi le mot est arrivé chez les musulmans, quel était le contexte, quels étaient les enjeux, qui sont les hommes qui ont porté ce mot, quelle est l'école salafia tout au long de l'histoire musulmane, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a apporté, pourquoi elle était là, et pourquoi elle est encore là, et qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a été pervertie, et comment, et comment, et comment. On pourra, Inch'Allah, faire une série entière pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son prophète autour de ce mot salafiyya, de ce concept qui, à la base, dans ses origines, était pur. D'accord? Nous sommes des musulmans. Nous avons été des musulmans. Le Coran nous appelle musulmans. Tout sectarisme qui sape l'unité des musulmans, qui permet à quelqu'un d'étiqueter les autres, qui permet à quelqu'un de manifester sa haine, ses frustrations, sa violence contre les musulmans. On n'en veut pas. Et ça ne peut être qu'une innovation. La salafia telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, telle qu'elle est vécue aujourd'hui, fait partie des plus grandes innovations des temps modernes. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.